Amenez un maillot d'image et je me suis régalé. Oui, oui, j'étais dans les tribunes et les vestiaires de Mayol, bien avant que peut-être certains supporters s'abonnent au RCT. Je l'ai dit lundi, puisque nous étions là lundi pour honorer un grand joueur. Pour moi, le RCT a vraiment été une école de la vie. Et j'allais vous en parler car j'ai commencé le RCT avant de faire de la politique. Donc je n'ai pas fait de la politique sur le RCT. Et j'ai commencé à faire les tâches les plus humbles au RCT. Parce que le rugby, c'est aussi une leçon d'humilité. C'est une leçon de solidarité. Le RCT, c'est quelque chose d'important et d'essentiel dans notre vie, dans notre ville de Toulon, on pourrait dire dans notre département, on pourrait même dire au-delà du département, dans la région, et on pourrait même dire au-delà de la région, dans toute la France. Et effectivement, ce RCT, qui est porté depuis maintenant près d'un siècle, ce RCT mérite de rester dans l'élite du rugby français. J'ai dit solidarité équipe. Cette équipe a un grand chef d'équipe et je voudrais à mon tour saluer Mourad pour lui dire combien on a apprécié le fait qu'il, dans les moments qui n'étaient pas faciles, est arrivé avec sa manière, avec ses qualités, avec son ambition, avec sa passion. Et cette passion... Cette passion, nous avons essayé de la partager, oui. Il est venu avec sa générosité et il est venu partager la générosité des Toulonnaises et des Toulonnais. Car je voudrais moi aussi saluer les partenaires qui se sont succédés sur cette tribune, leur dire tout simplement du fond du cœur merci. Mais je voudrais, si vous le permettez, saluer les autres partenaires, les Toulonnaises et les Toulonnais, les Varoises et les Varois, parce que le premier partenaire de ce club, c'est quand même les collectivités, et les collectivités, c'est vous toutes et vous tous, c'est des contribuables Toulonnais et Varois. Merci.